vous allez maigrir de 1 kg par semaine. 1 kg par semaine rien qu'en éliminant le sucre. 1 kg par semaine, ça veut dire que là, habituellement, je perds déjà 1 kg par semaine, ça veut dire que là, j'en perds 2. N'importe non, c'est quoi. Pas ça. On c'est perd que un lui kilo par semaine. Va voilà. faire en sorte que minimum, à mon avis, tu vas perdre 1 kg par semaine. Et oui. moi aussi, si c'est ça, franchement, il va venir toutes les semaines. Ouais, mais après, on va plus me retrouver. Bah si, t'inquiète pas, y a de la marge. Dis bonjour à la grue. Regarde, elle est là, la grue. T'es en train de regarder un match de foot, en fait, je vois. Ah, d'accord. Il se tape le match de foot. Il vient de se faire gauler. Regardez, je le crois pas. Je le crois pas. Regardez, je le crois pas. Merci, Louis. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il me fait ? Regarde, la balle, Tariq. Tu fais quoi ? Il saute dans l'eau avec la balle. Alors, la balle, elle part. Lui, il essaie de l'attraper. Ça veut pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Wesh ! Les petits bébés qui arrivent pas à choper des balles, c'est pareil. Au rayon insolite, le cheval. Les clients d'un supermarché à Itiri, petite ville de Sardaigne, ont eu la surprise de voir un équidé déambuler dans le magasin, sans oublier de passer à la caisse. Le cheval aurait été effrayé par un orage pour trouver refuge dans la grande surface. Une fois ressorti calmement, l'animal a pu être mis en sécurité avant de retrouver son propriétaire. Une course qui n'a pas manqué de sel. Une fois qu'il réussit, il essaie de trouver une technique pour monter avec. Vas-y, vas-y. Vas-y, tiens. T'es un gag. Un gag, un gag, un gag. Frère, tu t'en... C'est possible. Mon fils, il est en train de péter un plomb. Quand à la fin du mois, tu peux plus mettre de pétrole dans la chaudière et que vraiment il fait 15 degrés chez toi et que tes enfants disent mais il fait froid papa, je dis bah oui bah je peux pas mettre de pétrole dans la truc. C'est pareil pour tout le monde. Effectivement j'étais dans 600 mètres carrés, pas compliqué à chauffer, mais c'est pareil que dans 30 mètres carrés. J'avais pas de chauffage à la maison. Mais si je dis ça, je vais sûrement faire hurler. Enfin, ah ouais. Les prix de l'essuie-tout, du papier toilette et des mouchoirs vont considérablement augmenter dans les semaines à venir, selon Michel-Édouard Leclerc. La raison principale, en un an, le prix de la pâte à papier a explosé, une augmentation pouvant aller jusqu'à 70%. Le prix de l'électricité a lui doublé et celui du gaz était multiplié par 4. Résultat, une hausse de 10 centimes par rouleau et les consommateurs interrogés hier s'y préparent. Je préfère avoir un 70 mètres carrés chauffé qu'un 600 mètres carrés froid. Je suis désolée. Donc pourquoi tu gardes ton 600 mètres carrés ? C'est les chaudières. Non mais j'aime bien parce qu'en fait dans un 600 mètres carrés tu peux mettre 5 familles. Donc c'est quoi ? Est-ce que c'est l'ego qui te fait rester dans un 600 mètres carrés mais il est froid ? Excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais Delphine, mais tu dis des bêtises. Non, non, elle dit pas de bêtises. Non, réponds-moi, tu peux pas réagir. Tu peux prendre t'as une maison que t'as achetée. 70... La maison, elle est saisie, tu fais quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il faut faire avec, hein. Il faut se débrouiller pour acheter des papiers toilettes. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous travaillez... Comment on fait, sinon ? On est obligé d'acheter des papiers toilettes. Comme tout, on prendra du papier journal, si au bout d'un moment... Mamma mia. Alors, j'étais prêt à tout sauf à ça. Il y a plein de gens qui vendent en moins-value. Je suis désolée, quand tu vends mais un immobilier... Mais elle est plus à moi, l'hypothèque et la baraque, j'ai des huissiers dessus, qu'est-ce que je fais ? Non mais d'accord, après tu... Alors réfléchis, je fais quoi ? Non mais je comprends très bien ce que tu dis, tu comprends et rien, tu comprends ce que je dis. À ce moment-là, tu prends un loyer, même pas de 60 mètres carrés. Mais je ne peux pas me payer le loyer, j'ai plus d'oseille. D'accord. Toi, c'est du cinéma, ça. Ah oui. Là, on n'est pas dans la série à deux balles sur la TNT, hein, je veux te dire. Non. Fin de... Notez sur Réac, aigri et méchant. Oui, mauvais, mauvais, globalement mauvais. Voilà. Vous me le foutez au rebut. Allez, terminé, j'en veux plus, moi. Donnez-moi quelqu'un de positif. C'est la fin.